Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer l'incantation Aspect du Creuset Queue, qui est donc un des différents aspects du creuset que l'on peut récupérer, qu'on va pouvoir récupérer donc en fait très très près de la zone de départ, exactement ici, donc sur cette geôle éternelle. Et on va y être tout de suite. Donc là on part en fait devant du troisième point que vous allez rencontrer si vous allez en ligne droite. Donc vraiment, on est au tout début du jeu. Et là, on va chevaucher pendant quelques instants pour aller sur la geôle éternelle. Ah. Et donc ici, malgré que je l'ai fait plein de fois, je me trompe toujours. Ah, est-ce qu'on peut sauter? Oui, voilà. Et donc là, on va aller jusqu'au marqueur, tranquillement. De toute façon, vous pouvez pas le rater, hein. On a plusieurs cercles en pierre. Vous avez les petits zigouigouis en boule qui sont partout. Et c'est parti pour la geôle éternelle. Tout de suite. Alors, quoi on va aujourd'hui? Ah oui, c'est un chevet du creuset. Donc, un ennemi qui n'est pas anecdotique en tout début de partie, ça peut vous poser de soucis. Il a quand même 2-3 patterns. Il a quand même une allonge relativement grande. Notamment une avancée avec l'épée. Qui vous fait des dégâts, surtout qui vous touche de très loin. Il peut vous embrocher avec son bouclier comme ça. Il a des combos à 2 ou 3 coups. Ah, voilà. Donc ça, c'était la longe avec l'épée. C'est ça qui peut vous sortir. Alors, soit toute seule, soit sinon en fin de combo. Il peut taper le sol pour faire jaillir des épines. Vraiment, pour l'instant, on est plutôt bien. Parce qu'on a vraiment un moveset assez complet. Voilà. Et donc là, alors, ça, vous pouvez l'esquiver. Pas comme moi, mais vous pouvez l'esquiver faisant une roulade sur le côté. Alors me semble-t-il que même avec une roulade en avant ou en arrière, ça passe. Et donc là, il a utilisé, hop, l'aspect du creuset qui est donc la queue. Et c'est ce qu'on va récupérer à la fin du combat. Voilà, donc là, il continue à taper par terre. Hop, alors. Voilà. Petite roulade en plus, sinon je me serais pris l'épée. Ne pas hésiter, hein. On dirait pas, mais il a vraiment une très bonne portée. Ok, donc là, est-ce que je vais esquiver? Pas du tout. Ok, donc la roulade se met sur les côtés. Ah, et donc là, il a enchaîné 2 fois la queue. Donc, si je ne l'ai pas dit, c'est un sort qui est escalé sur la foi. Forcément, hein, ça reste des chevaliers sacrés de l'ancien ordre. Et voilà, c'est finito pour lui. Aspect du creuset queue ghettoisé. YouTube, on se laisse ici. N'hésite pas à t'abonner et à liker si la vidéo t'a plu. À très bientôt.